C'est quoi ça? C'est un coussin péter? Je crois que le P a attiré un truc. Oh putain! Ah oui, y'a un mec! Hein? Mais... The Classroom, c'est une sorte de jeu backroom ça. C'est à peu près le même style, on est d'accord. Bon, de toute façon, si je raconte de la merde, je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Hein, les copains? Oh, on commence à... au cockpit d'une voiture. Ok, c'est vraiment le tuto. Eh, mais attendez, regardez le micro en haut, on m'entend parler? Va falloir parler comme ça, les mecs. Merde, mais on m'entend quand même. Il est chelou le FOV un peu là. On dirait on est avec une énorme paire de lunettes. Je dois prendre les clés du pick-up. Elles sont là. Ok, on descend. Ouais, c'est bon. Ok, marche à l'arrière du van. On va récupérer un fusil. Ouais, oh, ça serait trop bien, un fusil. Ah, d'accord, faut prendre la clé. Pour ouvrir le pick-up. C'est quoi ici? Un codex. Alors, on va ramasser une brique. Il veut que je prenne une brique pour casser la glace. Attention, j'arrive. Ah, c'est pas comme ça. Ah, mais c'est vrai, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de raconter ma vie, là, mais... on m'entend au micro dans le jeu. Bon, entrez dans l'école. Attends, je vais prendre un plot avec moi, on sait jamais s'il faut se défendre. Ah, je sens que ça va être une galère si on se retrouve dans le noir. Et ici, on peut pas mettre le jus, là? Mais quoi, ici? Je descends. Danger, attends. Ah, c'est ça? Ok. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir mettre le jus. Ah, yes. Oula. La caméra. Ah, ok. C'est la fin du tuto? Bon, alors, attends. On peut fouiller dans les trucs et tout? Ouais. Mais s'il y a rien, c'est génial. Ah si, y a un truc, ah, une pile. Ici, on peut voler une tasse. Ouais. Ok, on peut interagir un peu avec un peu tout, quoi, tous les objets. Attends, c'est pas un chemin, ça? Non, faut pas déconner. Ok, bon, du coup, maintenant, c'est quoi l'objectif? Y a plus rien d'écrit, là. On remonte. Y a-t-il quelqu'un? Où je suis? Bah, je sais pas, moi. À qui il parle, ce con? Tiens, on sera pas venu pour rien, on va faire un peu de ménage. Attends, ça a l'air immense. Ah, une salle de cours. C'est dans ce lycée que les deux étudiants ils ont disparu là? Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu bagarre. Ouais, ok, faut trouver une cassette. Mais on arrivait par où déjà nous? C'est marrant, je reconnais pas par où on arrivait. C'est trop chelou ça. J'ai ma torche à l'allumer depuis tout à l'heure, j'utilise mes piles pour rien. Et quoi que j'ai trouvé? Codex. Qu'est-ce que ça a fait? Ah oui, regardez, il y a des descriptions, mais en fait c'est comme SCP. C'est des ARC. C'est le ARC 216. C'est une entité agressive, malveillante, principalement présente dans la superstructure lambda. Elle se manifeste sous la forme d'une silhouette humanoïde dissimulée sous une cape. Bien qu'elle reste généralement invisible, 216 devient visible lorsqu'elle rencontre des individus humains, entamant alors une poursuite implacable. Son objectif principal est la capture et le meurtre brutal de ses victimes. 216 se manifeste exclusivement en présence de courants électriques importants. Ah bah voilà. Notamment dans les environnements dotés de lumière fluorescente. Pour neutraliser ou maîtriser l'instance 216, il faut supprimer toutes les sources de lumière qui entraînent la disparition de 216. Ok. Il avait écrit que ça peut préparer des raviolis sur demande. Oh, faut un tournevis. Bon, attendez, il y a plein de trucs à trouver là. Les gens invisibles, vous êtes pas là, non? C'est bon? Oh, il faisait quoi ici? Attends, poussez-vous la chaise. C'est quoi ça? Un minuteur? Et une boule de billard? Je peux rien faire sur l'horloge. Eh, regardez, elle tourne à l'envers. On est dans la merde. Ici, il y a quoi? Oh, la salle des PC. Ah oui, on est en 1996. On est sur du bon vieux setup, là. Oula, mais il fait flipper ce couloir. Mais attendez. Ah non, j'ai eu peur. Je vais dire s'il faut fouiller tous les casiers, là. On aurait mis 6 jours. Ah. On peut se laver les mains. Ça, c'est très important, ça. Comme ça, si la police arrive, je peux laver tout soupçon. Ici, on a quoi? Attends, on dirait une salle d'interrogatoire, un peu. Là, il y a un tiroir, là. Ah, j'ai trouvé un glow stick. Oh. C'est quoi, cette connerie? Faut trouver un marteau, aussi? Mais ça, du coup, c'est... Ah non, mais... Attends, il s'est passé un truc bizarre, ouais. Comment qu'on sort? Ok, d'accord. Alors, il y a au fond, il y a ici, c'est quoi? Attends, il y a des trucs chelous, là. Faut courir, se cacher et s'échapper. Regardez les têtes. Mais c'est un cul-de-sac. D'accord. Bon bah, j'ai trouvé quoi? Ah oui, là c'est le 004. Lui, il a l'apparence d'une poupée en céramique. Ah, et elle bouge seulement quand personne l'observe. Bon ok, on se laisse la surprise. En fait, c'est... ouais, c'est une sorte de backroom, SCP. C'est dans le même délire quoi. Bon du coup, et ici... Ah, ça continue. Attendez, laissez les portes ouvertes. Je veux passer. Regardez mon ombre. Non, j'ai cru entendre un bruit. Bon ok, faut trouver une clé. Ah mais c'est ça, attendez, qu'il y avait écrit sur le tableau là-bas. Ça montrait un casier un peu ouvert. C'est ça? Ok, codex, qu'est-ce que j'ai trouvé? Et ici?
Oula, on voit rien. Waouh! Ah, mais attendez, c'est elle, la poupée. La poupée en céramique. Mais oui, c'est elle. Et attendez, je crois qu'il y avait écrit. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait écrit qu'elle bouge quand personne l'observe. Un peu comme SCP-173. Eh, tu m'entends, hein? Ok, d'accord, attendez, on va pas rester ici. Ah, tu bouges pas, hein. Ah, une clé! Je t'ai vu! Vous avez vu, elle s'est arrêtée direct quand je l'ai vue. Attends, si je bouge. Oh putain! Occupé! Attendez, comment je vais faire là? Parce que si j'arrête de la regarder, elle va. Comment je fais les mecs? C'est bon, la porte l'a bloquée. Enfin, je crois. Au pire, on va lui jeter un ballon dans la tronche. Il y a rien dans le lit. Ici, on pouvait pas ouvrir, non? En fait, j'ai trouvé la clé ici. Tu peux partir? Là, il y a un tableau. Attendez, c'est peut-être une indication. Eh, faut que je fasse attention. Je suis en train d'utiliser les piles de ma torche depuis tout à l'heure, là. On fait moins le malin, là, hein? Reste couché! Tiens, au cas où t'es encore vivant. Du coup, attendez, faut pas que je la lâche du regard. Et la clé que j'ai trouvée, c'est la clé de l'homme de ménage. Alors, attendez, je vais la garder sous mes yeux, là. Je ferme la porte. Vous avez vu ça? Putain, elle s'approche. Mais je crois qu'elle ouvre pas les portes, on dirait pas. Mais c'est une nouvelle pièce, ça. Merde. Attends. Mais attends, ça a changé ou je rêve, là? Ah oui, c'est ici qu'il fallait la clé. Ok, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, une autre clé, des piles. Par contre, on entend la poupée derrière, elle fait des trucs chelous. C'est bon, on se casse, on coupe la torche. Alors du coup, elle est toujours là? Ouais, ok. Bon, c'est bon, la porte la bloque. Et là, on est... Mais what? Je sais pas si ça fait partie des choses bizarres qu'il y a dans ce lycée, mais regardez, les tables, elles disparaissent. C'est peut-être une salle de cours passée d'ail. J'avais ouvert deux portes comme ça avant de tourner. Il y avait des briques. Vas-y, c'est trop chelou. Je me perds du coup, là. Mais du coup, c'est quoi la clé que j'ai trouvée? Elevator. Donc j'ai la clé de l'ascenseur. Salut, salut. Je pensais qu'elle était pas vivante, moi. Ok, si on se colle à elle, elle nous bouffe, faut pas la toucher. Eh mais du coup, j'ai repris où? Attendez, je suis où, là? C'est le début, ça. Ah oui, c'est quand je venais de remettre le jus. Ah, mais elle est déjà là? Ah oui, mais en fait, regardez, j'ai respawn, mais j'ai gardé. Je recommence pas, en fait. C'est juste la zone de respawn. Bon, alors du coup, faut pas la toucher, hein, la poupée, là. Eh, j'avais pas vu, ici. Lee, prends. Lee, et prends ta place. Ok, alors je prends ma place. Voilà, je prends ma place, mais il se passe rien. J'ai entendu un bruit à côté. Regardez quoi là, comme un galop. Je vais fermer la porte. Attends, elle est bien fermée, hein. Ouais, je peux allumer. Ah non, ça a éteint. Elle est flippante, elle. Y'a rien d'autre ici. Ah, j'étais venu ici, ouais, j'avais récupéré les... Mais j'ai l'impression que tout bouge. Ah mais comment je fais là? Ah, je sais. Attends, ça passe à travers elle? Ah non, c'est bon. Avec le plot. La gueule. Non mais attendez, je suis bloqué avec le mur derrière moi, là. Comment je vais faire, là? On va à droite ou à gauche? On va tenter à droite. Là, c'est bon, je la garde sous les yeux, là. Oh merde. Ok, attendez, hop. Vite. Vite. Elle est trop flippante. Bon. Elle ouvre pas les portes, de toute façon. C'est bon, on peut se balader ici. Ici, une salle de cours. Ah mais j'attends... Non, je suis pas venu ici. Ouais, non, ce dessin, je l'ai pas vu. Y'a rien. Un glow stick. Je sens tellement la zone où il va faire noir, on va rien voir. Ah, ça se trouve, c'est pour... dans ces trucs d'aération, là. Bon, là, c'est fermé, elle peut pas venir. Ah mais attends... Ah, c'est où j'étais tout à l'heure, ok. Ouais, c'est où je me suis fait buter. Là, on est revenu à la salle des PC, ok. Ouais, donc ça, c'est où je suis venu tout à l'heure. Je suis pas sûr du tout, en fait. Waouh, il y a une porte défoncée. Attendez, casier entrouvert. Y a rien. Il y a des portes pétées là-bas aussi. Attendez, je vais aller voir ici avant. Ah, les toilettes. Y a un truc écrit, là. Sors-moi d'ici. Et... Ah ouais, regardez, on voit ma dégaine. Avec ma caméra.
Ah oui, ok, le micro, c'est vraiment le bruit que je fais quand j'ai allumé l'eau, là, le... Regardez le voyant du micro. Ouh, c'était quoi, ça? J'ai entendu un bruit. Alors, attendez, il y a un... Il y a quelque chose à sortir des toilettes. Mais... Putain, ça m'a fait flipper, sa mère! Et donc je suis mort? C'est... Ah oui, d'accord. Mais putain! Bon, heureusement qu'on perd pas tous nos trucs. Mais attendez, on a un truc qui fait diversion, là. Le minuteur. Ça se trouve, faut le poser avant d'entrer dans les toilettes. C'est quoi ce bruit? C'est le casier ou... Non? Il passe bien quelque chose. Une batterie. Oh merde! J'ai vu une ombre. Et en plus, je me suis trompé de touche. Je me casse. Ah mais c'est un cut. Mais... Tiens. Non. Non. On va contourner, hein. Merde. Merde. Mais comment je fais? Allez, salut. Et c'est super dur en vrai ce jeu, attendez. Je peux pas sauter là? Ok, c'est bon. Salut, salut. C'est le key. Allez, non, non. Vite la lumière. J'ai coupé. Ah ouais, ça a marché. Ok, donc faut se mettre direct dans le noir quand même, hein. Par contre, il y a Micheline là. Oh non, putain. La lumière. Il y a la poupée. Ok, attendez. Faut qu'on s'échappe dans le noir là. Attendez, je sors. Ok, c'est bon. Oh putain. Bon, ça marche direct quand on coupe la lumière. Il disparaît. Bon, du coup, la poupée est enfermée ici. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, elle ouvre les portes quand même? Parce que sinon, il suffit de la bloquer. Putain. La lumière, c'est où? Putain, c'est où l'interrupteur? C'est bon. Il n'y a plus de lumière! Il n'y a plus de lumière! Ok, c'est bon, il a disparu. Il y a la poupée! Attends. Attends, je ferme toutes les portes. Je sais même pas où faut aller en plus. Y'a quoi là? Je suis déjà venu ici. Attendez, je coupe les lumières au cas où. Ah oui, mais c'est là où je suis passé par-dessus, ouais. C'est là où j'ai pété la vitre tout à l'heure. Eh, vous avez vu? Il va apparaître l'autre. Je crois que quand la lumière clignote comme ça, c'est... Elle ouvre les portes. Oh putain. Oh putain. Non putain. Là je suis dans le noir là. Mais non mais... Ah ouais mais attendez en plus, on m'entend au micro. Ouais faut pas que je parle mais... Oh mais non. Mais non mais comment je fais là? Je peux passer? Je vais lui mettre la table dans la tronche. Tiens. Attends, je peux la pousser? Non, non, y a pas de lumière! Arrête, y a pas de lumière! Mais non! Mais oui, mais je suis trop con, vous avez pas vu? Quand on respawn, c'est écrit en gros au milieu de l'écran, generating level. Mais non, mais elle est déjà en train de se ramener, on entend les pas, là. Est-ce que je peux passer, là? Sans la coller? Salut, salut.
Eh, vous avez vu au fond? Je crois que la porte s'est ouverte toute seule au fond, là. Ah mais oui, en plus, ça clignote. Mais attends, il y a plein de casiers à ouvrir, ici. Mais la poupée, elle va me foncer dessus. Calme-toi. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3. Non mais je t'ai vu là, dégage. Mais comment je vais faire là? Ah, comme ça. Salut, salut. Vite. Ouah, le cul-de-sac. Mais non. Mais non. Bon, bah voilà, on est foutu. Là, je peux pas sortir, là. Oh, si ça passe. Par où on va? Ah, j'aurais peut-être allé à... J'aurais peut-être dû prendre à droite, ici. Merde, c'est mal fermé! Vas-y, mais de toute façon, elle va ouvrir la porte. Oh, puis y'a rien ici! Oh! Non, j'ai cru voir un truc. Bon, bah voilà, elle est juste derrière la porte. Eh, mais en fait, elle est super relou, elle. Wesh! Tiens, wesh, la goum! Regardez, je vais tourner la tête. Attends, avance un peu. Voilà, avance un peu. Tiens, prends ça. Voilà, t'es puni, je me casse. Je sens qu'il y a le gros truc maintenant qui va spawn là. Attendez, je suis en train de me dire, mais en fait, je suis en train de me dire, faut peut-être être super discret là. S'il y a l'haut-parleur du micro là, c'est pas pour rien quoi. Et nous, depuis tout à l'heure, on n'est pas du tout discret. Ah, attendez, une cassette. Voyons voir. Welcome to the ARC training program. Mais c'est de la merde, le tournevis! Ok! Il était là. Ok! Attends, je peux me le mettre pour me protéger là? Non, on a trouvé un chemin. Par contre, la torche, ça éclaire 30 cm devant moi. Attendez, est-ce qu'il y a des chemins partout là? Et c'est bon signe ou pas que ma caméra déconne? Mais on va se prendre un vieux screamer là? Attendez, je sais pas où je vais. Il y a des intersections partout, il y a des bruits de porte. Oula. Mon stick il marche plus, putain. Ça tient que 2 secondes ce truc. Oula. On va toujours tout droit. Ah, là j'ai vu un truc, on aurait dit une sortie. Ah ouais, mais non, mais... Il y a des alus en plus. Eh mais en fait, je suis trop con, mais je crois que c'est... Ça veut dire que je prends pas le bon chemin et genre ça génère un autre truc. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense qu'on peut avancer plusieurs heures comme ça. Alors, du coup, on va tourner. Alors, attendez. On est où, là? Ah, moi... Ok, on est venu au self. Ok, mais on s'en fout ici. On va continuer comme ça et on va chercher tous les endroits où il y avait des bouches d'aération. Ici, il y avait que dalle. J'ai entendu un bruit. Par ici. Ah, oh, tiens, je t'avais oublié, toi. Mais reste là. Ça serait bien que je trouve l'ascenseur, en fait. Ah, l'ascenseur! C'est une clé. Je l'ai, la clé. Allez, on se taille! Vite! Ok, c'est bon. Oula. Librairie. Alors là, il y a un truc, j'ai vu. Batterie, ok. Par contre, c'est chelou l'entrée de la bibliothèque, là. Il y a un téléphone. Ah, il y a un téléphone. Ça me fait penser à un niveau des backrooms, là. C'est quoi, ça? C'est un coussin péteur. Je crois que le P a attiré un truc. Ah oui, y'a un mec! Hein? Mais... Non, putain! Oh putain! Oh non, y'en a un là! C'est quoi ce truc?
Je regarde pas derrière moi, je suis sûr qu'il y est. Attendez. Merde. C'est quoi ce truc? Bon alors attendez, ici faut être discret, parce que du coup il y a cette entité qui court là. Wow, attends mais... Il est où? Il est là? Ah oui, il est contre la grille! Regardez! Ah oui, il fait bugger la caméra de ouf en fait! Ok, mais du coup, mauvais plan là! On va pas ouvrir la grille! Ah ouais, vous avez vu ce que c'est? Enfin, on a du mal à le voir, il fait bugger la caméra, mais... Mais ok, il va pas dans les bouches d'aération. Faut peut-être utiliser les minuteurs pour faire diversion et tout. Ah ouais, regardez, il y a du verre. J'ai voulu y aller en mode sneaky. Il m'a repéré. Mais putain, le ballon il me fonce dessus. Vous avez vu le ballon, il vient sur moi. Ouais putain, il m'a entendu. Mais non, la plaque qui tombe sur un coussin péteur. Il est gros un peu. Attendez, on se casse. Oh putain! C'est tellement relou le ballon qui te poursuit, qui te colle comme ça. Mais attendez. J'ai pas pu ramasser le livre, je suis full. Ah ouais, j'ai 4 livres, il en faut 5. Faut que je me débarrasse d'un truc. Eh hey, mais j'ai une boule, elle est magique. On va se débarrasser du glow stick. Oh putain, mais regardez-moi ça. Ok, bon, au moins on a pété le ballon. Vous avez vu le ballon, comment il vient vers moi? Ça doit être une entité lui aussi. Oh. Mais putain! Dans le tunnel! C'est bon, apparemment il vient pas. Quel con, je tire la chasse et tout, moi. Bon alors attendez, du coup on est où là? Attendez, d'avoir posé les livres. Ah mais il y a un truc derrière là. Ok, il y a un chemin ici, mais regardez, c'est trop chelou. Les trucs sont... Les toilettes sont sur les murs. Tout est à l'envers. Il y a des trucs trop chelous là. Ah oui, il y a même des toilettes au plafond avec l'eau qui reste au plafond, ok. C'est quoi ce chemin? Par contre, c'était super chaud le gars avec les livres là. Enfin, l'entité. Oula, c'est quoi ici? Que se passe-t-il? Ok, ascenseur. On se casse d'ici. Oula, c'est quoi cet étage? C'est bathroom. Ok, on va être dans des salles de bain chelou là. Très très chelou même. Bon, bah par où on va? On sait même pas ça va être quoi l'entité encore ici. Alors voyons voir. Pour le moment c'est calme. N'empêche le tournevis il nous sert tout le long hein. Meilleur truc ça. Alors. C'est quoi? Ok, il est juste là. Attendez, je vais ouvrir. Je peux pas le prop skill. C'est quoi ce truc?
C'est 0.96 version immense ou quoi? Bon, attendez, on va se casser. On va faire le tour. C'est le Skibidi toilette. Oh putain! Ah, il a démonté la porte! Il a démonté la porte et les chiottes! Ah merde, c'est vrai, il m'entend! Ah. Dégage, voilà! Oh putain!